Et salut à tous, c'est Fonir. Comment on se retrouve? Donc on est chez Madame Nazar et je voulais vous montrer ces gants de poignet là. Vous voyez? Il faut soit une chemise à manches courtes, un t-shirt ou être torse nu pour les porter. 300 $. Ça se débloque au niveau 10, le rang 10. De naturaliste. On a ces gants là. Ah, il commence à faire nuit. On va aller vite. On a ça pour la tête. Ça, c'est... Au moment où je fais la vidéo, le soleil tombe, quoi. Vous allez mal voir. Vous allez pas bien voir ça. Je sais pas c'est quoi ça. Une amulette. Je sais pas si ça a des pouvoirs spéciaux ou. Si ça fait de la musique quand on marche, de la cloche. Voilà, hein, c'est tout. Hein. Et je voulais vous parler aussi. Ah, là on a cette boucle. Vous voyez. Donc là, on a Pavot Deschamps, vous voyez? Acheter 1 $. Ça va servir pour faire les munitions narcotiques. Le maximum, 3 $. Parce que j'en ai déjà 27, vous voyez? Donc c'est 1 $. En fait, on peut fabriquer une mission avec ça. Et alors que l'achat des munitions, il vaut 0,80 centimes. Déjà, on se fait l'S-Book. Mais pire, je vais vous montrer. Avec celle-ci aussi, on peut. Donc, je vais en prendre 3 pour vous faire plaisir. Je dépense 40 $. Enfin, 30 $. Je vais en prendre 4, mais bon, faut pas abuser non plus. On a aussi la carte des fossiles. C'est une nouvelle collection. D'ailleurs, je vais prendre. Quoique, j'ai pas besoin de tout ça. Il m'en reste encore. Ça, par contre, je prends. Ouais, je prends tout. Allez. Comme ça, j'aurai le plein. Et venez ici des fois pour trouver des recettes pour la distillerie. Tout ça, il faut les acheter. Racines, ça va vous servir pour les fortifiants aussi. Voilà, voilà, je voulais vous parler des fossiles. Donc au niveau des fossiles, voilà, c'est dans le sac. Qu'est-ce qu'il fait? Pose ton arc en petit. Ça c'est, on parlera de ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc vous voyez que là, par exemple, pièce de monnaie. C'est 540 $. Bon, moi j'ai trouvé 10 fois la collection, vous voyez, récupéré. Non, 12 fois. Et j'ai vendu 10 fois la collection. Récupéré. Ah non, non, qu'est-ce que je dis? J'ai vendu 10 fois la collection. Et là j'ai 12 pièces de monnaie sur 15 pour vendre la collection pour la 11e fois. Ça me rapporte 540 $. Mais celle-ci, la nouvelle collection, elle est bien plus facile. Il y en a 3 en fait, en fossiles. Celle-ci à 217, elle paye pas trop. Elle un peu plus, mais c'est pas tout. 288 $. Et celle qui paye le plus, c'est elle, la troisième. 321 $. Et pourquoi c'est rentable? C'est parce qu'il y en a 6. 6 objets à peine. Bon, après, généralement, ils sont différenciés sur la carte. Pour l'instant, il faut acheter les cartes. Donc.
Mais si jamais ils mettent cette collection sur la carte que je vous ai pas faite, que je vous ai passée dans une précédente vidéo, vous allez pouvoir rechercher cette collection plus rapidement que de la collection de pièces de monnaie. Et là, si vous faites les 6 assez rapide, déjà 6 c'est 6, 12, alors que la pièce de monnaie c'est 15, ça vous fera plutôt 640 $ au lieu de 321 si vous la faites deux fois d'affilée. Donc pour moi c'est intéressant cette collection, à condition qu'elle y soit sur la carte de la dernière vidéo que je vous avais donnée. Enfin sur la précédente vidéo sur les cartes de collection. Donc voilà. Et je vous parlerai du schéma sur la prochaine vidéo, vu que là il fait nuit, vous n'allez pas voir grand chose. Mais en tout cas, ce sera sur ce schéma-là. Vous voyez, là par exemple, je peux fabriquer que 3 munitions et elles sont assez longues à faire. Comment dire, c'est un peu comme les balles à tête fendue. Après, il faut spawn le bouton croix pour qu'il fabrique beaucoup. Et je trouve pas ça top parce que c'est beaucoup trop cher par rapport à la vente des munitions en magasin. Le problème, c'est qu'en magasin, vous pouvez en avoir que 200. Donc ça, quand vous achetez ce schéma, c'est vraiment pour... comment dire, c'est si vous avez plus de munitions, pour... ouais, voilà, pour... dépanner. Donc ça reste plutôt bien, mais bon, là, le schéma, il est beaucoup trop cher. Hein. Il n'est pas à 140 ou 250, non, il est... plutôt à 500 et quelques, 525 je crois. Donc pour moi c'est une grosse perte, surtout que quand il fait c'est assez long. Ouais, sinon je vous parlerai ça dans la prochaine vidéo les gars. Allez, à la prochaine. Peace.